Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur le Seigneur des Anneaux, le tirage pour le 28e épisode. Cette fois-ci, on va faire le mode maléfique, vu que dans l'épisode précédent, on a déjà galéré, mais en plus, on avait débloqué un mode maléfique. Donc c'est parti, là c'est le gouffre de M. Donc c'est la 6ème partie au niveau de ce mode maléfique. Donc là, ça va être pendant la grande bataille. Bien sûr, on a le désavantage de s'en prendre déjà pas la gueule. Très bien, raté vos attaques. C'est cool ça. Oh god! Bon, je sais ce qu'on va faire. On va tuer la petite vierge là. La petite Morwen. Parce que là, ça suffit. Mais attendez, vous foutez de ma gueule, vous avez des triples attaques vous. Allez. Je l'affaiblis bien. Pour qu'elle meure. Parfait. Alors je vais quand même faire l'attaque, je veux vraiment la tuer parce que elle peut être très embêtante. Une attaque qui fait 4, c'est pas très gentil. Alors, on va aussi l'empoisonner lui. On va les tuer un par un comme ça. On va peut-être assommer Beretor parce qu'il me paraît bien trop fort. Bon c'est pas, il me fait une petite colère hein. Plutôt résistant hein. Oula. Un peu moins là par contre. Ouais, en fait les Golas ça va, il est pas trop dérangeant. Donc à la rigueur on peut le. Fiche des dégâts en continu. On va continuer à le tuer. Les Golas aussi on va le tuer. Maintenant, une petite attaque lourde pour tuer. Le chevalier. Là, je suis en train de réfléchir. Ouais, on va le tuer de toute manière. Il est mort. Ça me va, vu qu'il est empoisonné, il va subir. Maintenant c'est bon, on peut se permettre d'empoisonner les deux. Il n'y a plus trop de soucis. Ah, cette attaque, elle est violente quand même. Pas exagéré quoi. Si je peux en assommer un, je voudrais bien les Golas quand même. On peut assommer en plus de mettre du poison. Oh, c'est cheaté. Allez. On va essayer de gagner du temps. Très bien. Il est mort. Donc premier combat réussi. Là j'aime pas trop. On est déjà sur une colère. Donc on va refocus Morwen. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Oh rage montagne en plus, ça va pas être cool. Ah il est mort. Sapeur. Le sapeur elle a peut-être beaucoup de vie mais il est hyper fragile donc en fait ça sert un peu à rien. Morwen. Oh
Oh non, mais ratez pas aussi, s'il vous plaît. Allez, on va le perturber un peu, lui. On va la perturber un peu, la petite. On va assommer. Bon, ouais, vaut mieux. Comme ça, on peut la tuer. Attends, on va assommer. Hard hold. Je préfère la tuer maintenant. Ah bah, ça ne la tue pas malheureusement. Oh, ça va encore. Voilà, une de morte. Pas des moindres. Maintenant, on va essayer de tuer le nain. De toute façon, c'est ce qu'on va faire, hein. C'est la technique, c'est assommer, après on les shoot, assommer, on les shoot. Je pense que c'est la meilleure. Oh là, c'est la meilleure des choses, colère de la Moria. De Moria plutôt. Bon, ça va. Ça pourrait être bien. Ça va, on a du peuple. On est plus assommé lui. On va le rassommer. Ah non, go. Bouclier de pierre sur qui? D'accord. On va le chambouler un peu. Tu rigoles toi? Un coup critique, il lui a à peine fait ça. Bon là par contre tu le touches, hein. Je compte sur toi. Très bien. Mais je crois qu'il est réveillé là. Il est réveillé. On va essayer de le shooter. Là on lui a pété son bouclier. Ce qui fait que maintenant il a pas vraiment de choix. Allez. Très bien. Colère de Moria, ça me dérange pas encore trop. Ah mais il est mort. On n'a pas vu l'animation. Bah du coup là on va shooter Ad-Hold. C'est lui qui va nous faire le plus de dégâts. Avec sa rage de montagne, voilà, rage montagne. On va faire sans su. Je récupère mes points de vie. Tactique Balrog. Ça pique quand même. On l'aura à l'usure. C'est pas fini. KO. Bon bah 4 contre 1. Hein. Je crois qu'il va avoir des problèmes lui. Ah bah 4 contre 3 pour le moment. Sauf que j'en ai un nouveau qui arrive. Ah t'as pas de bol. Bon bah tu vas être assommé et tu vas te faire tuer. Ah, maintenant c'est fini. Maintenant il va subir. Parce que là il peut plus esquiver. Là on peut vraiment le lead, hein, y a pas de souci. En plus j'ai deux archers, pas de bol. Là il me manquerait juste une chose et ce serait hyper chiant pour lui.
Ce serait d'utiliser peut-être un sapeur et lui exploser la tronche. Hop, tu te réveilles, je veux que tu te rendors. Voilà. Pas de bol. Combat à petit feu. Je crois qu'il est, ouais, il est réveillé là, en fait, attention. Ah, le nain attaque. Oh non. On va se régénérer avec Sansu. Ce que j'aime bien, c'est que normalement ça nous enlève des points d'action, mais il n'y a rien qui est enlevé. On doit avoir trop de points d'action pour lui. Ah non, je voulais. Bon, si on peut faire Sansu à la rigueur. Un peu d'action. Même si on aura plus parce qu'il va bientôt mourir. Ça va être bien d'être dans le sens inverse quand on va avoir justement les fameux trolls. Là, je vais m'amuser. Allez, maintenant, on attaque normalement. Il n'y a plus trop de soucis à se faire. Allez. Il faut tuer Gimli. D'ailleurs, assommer fait plus de dégâts, donc c'est peut-être parce que c'est un peu plus dur aussi à mettre. Il va mourir? Non, il est bien résistant quand même. Hein. Allez, on va assommer. Le coup final. Parfait. Ah d'accord, moi je pensais qu'en fait on allait avoir le combat avec le troll. Pas du tout. Ah ouais. Épée longue du maudit. Et avant-bras de bataille. Bah ça, ça va pouvoir être sympathique. Donc on va sauvegarder sur notre débarquement. Hein, bien évidemment. D'accord, donc en fait il y avait que deux combats. Pourquoi pas. Pas nouvelle partie, pardon. On va charger, on va essayer de voir ce qui va se passer du coup. Donc on est au débarquement. Enfin fini le gouffre du M. Alors c'est vrai, ça va être un combat tout de suite. J'ai déjà combattu dans cette cité. Mais ce n'est qu'un vague souvenir dans mon esprit. Pâle et éthéré. Je me suis souvent rendu à Los Gilead en tant que courrier, et j'ai été pris dans la bataille que Boromir a menée ici. J'avais reçu l'ordre d'épouser un guerrier qui a déserté en se battant sur cette île. De ce fait, ma famille a été bannie du Gondor, tout comme lui. Vous savez, mon ami, vous pourriez très bien être son frère. Mais je m'égare. J'ai moi-même eu du mal à sauver ma peau lors de cette bataille. Restez sur vos gardes. Ils ont presque traversé. Les voilà. Ils vont découvrir notre valeur à leurs dépens. Je connais ces mots. Vous étiez là auparavant. C'est vous qui vous êtes enfui. Pas cette fois, mon ami. Oh, il s'était enfui. Oh, le nul. Alors, on va faire une petite rafale de flèches. Par contre, je pense qu'ici, ça va piquer. Très bien.
Tu vas saigner. Aïe. Bah arrêtez, vous êtes pas gentil. Bon, elle a attaqué, donc c'est pas... On va prendre Eoden. On va le saigner lui. Voilà, parfait. Il va en avoir d'autres ou pas? Non? D'accord. Pourquoi pas? Maintenant, Hard Hold. Non, c'est des orques. Bah, coupe de nain. On va voir si ça va faire mal ou pas. Ne rate surtout pas. Je dis ça, il rate forcément, hein, bien sûr. Ouh, l'âme du Morghoul. De Morghoul, ça c'est pas cool, je pense. Ilrial, bon bah on va faire une petite furie sur ce monsieur. On va voir combien ça va lui faire. Assez efficace tout de même. Palmier. Attends, il nous manque plus Barrettor. Et ce sera parfait. Voilà. Meurs. C'est pas possible, mais vous êtes à chier. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui encore? Vous avez pas évoqué Squeak, c'est ça? Allez, meurs. What? Il meurt même pas? Bon, bah, on va essayer une frappe blessante. Je pense qu'elle va rater aussi, non? Non, c'est bon, elle rate pas. Elle, au moins, elle réussit. Bon, de Deus, hein. C'est pas fini. On va quand même examiner un petit peu. Alors les tranchants, c'est fragile. L'eau, c'est fort. Après, ils sont un petit peu immunisés. Incapacité de tirer et privation d'esprit. Par contre, le reste, c'est normal. Donc, ils peuvent être immobilisés ou autre. Racine, racine, je ne vois pas vraiment ce que c'est. Bon. Donc, j'ai bien fait de mettre... bah, de toute façon, de garder Idrial. Bon, c'est parfait. Bon, le problème, c'est qu'ils ne sont pas très... très efficaces. Alors, on va faire quoi? On va shooter un archer. Parfait. Le problème, c'est que là maintenant, soit je mets des buffs. Ah ouais, là, non, je peux pas. Là, faut. Je sais plus si les flèches de sommeil. Ah, je crois qu'ils attaquent. Ouais, elles attaquent. Ah, grotte. Bon, bah, prendre Béretier. Qui va nous faire une compétence de meneur. On va faire résistance groupe, voilà. C'est banal, mais au moins c'est pour voir si on peut en avoir le maximum aux autres. Alors, s'il te plaît, ne meurs pas, c'est tout ce que je te demande. Parfait. Et maintenant, Alod. Ah, quoique. Non, il nous manque encore une personne. Allez, on va faire bouclier mental. Je vais vraiment être sûr, Eoden, et maintenant Eoden, tu peux attaquer. Parfait. Normalement là, tout le monde a attaqué, on est bien au niveau de l'XP, hein. on continue. C'est pas parce que Eoden est en avance qu'on doit l'empêcher d'XP. Voilà, parfait. Alors c'est vrai, je n'ai pas encore pu mettre l'équipement. Il va avoir combien de combats comme cela. Je veux juste savoir en fait. Parce que ça m'inquiète. De 1.
Bon, au pire, s'il rate, c'est pas très grave. Bon, il a pas raté, c'est parfait. Il frappe. Oh my god, eh, hey, c'est pas... Ah oui. Bah écoutez, on va faire quelque chose d'autre. Hein. Parce que là, ça peut être critique. C'est en cas de secours. Non, non, on va continuer avec Laura. Ah, et là, il a pas aimé. Hein. Ad-Hod n'a vraiment pas aimé le coup. Pourtant, il est résistant. Ça nous fait plutôt bien résister, même. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Il n'y a que Elegos qui a attaqué. Donc là, je peux utiliser Morwen. Et on va faire quoi? On va faire plus empoisonner. Un de moins. En plus, c'est l'un des plus chiants. Je vais prendre Eoden et on va essayer de faire un drain de santé. Ça va. Le problème c'est que c'est lui qui sort prend plein les dents. Ah, il apprécie pas trop. Morwen va pas apprécier non plus. Mais les deux ont attaqué donc moi ça me pose plus de problème. Beretta, s'il te plaît. Je veux que tu fasses une petite rage sur celui-ci. On va voir combien tu vas faire de dégâts du coup. Pas assez pour le tuer, mais tu fais quand même bien mal. Un petit vol de compétences. J'ai fait un vol de compétences, c'est pas une attaque. Attendez, je peux plus faire, je peux pas cibler plusieurs personnes. Hein. Non, pas encore. Je sais pas si d'ailleurs on peut cibler plusieurs personnes grâce. Oh, je me suis bourré. Grâce aux soins, je sais pas du tout. On sait pas encore trop grave si elle se fait attaquer. Ah là si, ça commence à être un peu plus embêtant. J'aime pas trop. Elle va le faire sur elle-même, je pense qu'elle va... Voilà, voilà, elle se régénère de rien du tout. Juste regarder une chose, parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle épée. On va voir comment ça donne. Ah oui, bah ça va, bah c'est parfait. Celle-ci, je vais la garder. C'est plutôt Ad-Hod qui en aura besoin de soins là. On fait un petit bouclier de pierre sur nous-mêmes. C'est vraiment au cas où. Hein. Mais là, on va essayer de régénérer tous nos points de santé en fait. C'est pour ça que je fais durer le combat. On essaye vraiment de soigner notre équipe. C'est pas grave, il n'y a pas à subir là. Maintenant c'est Morwen qu'il faudrait.
Bon, Morwen, on va faire passer du coup. On va essayer de la tirer sur soi. Comme ça, Morwen peut être un peu plus tranquille. Ah, je peux pas. Dommage. On fait un petit présent maintenant sur Morwen du coup. Donc c'est pour ça que le combat va être long, mais c'est pour vraiment soigner tout le monde, pour avoir moins de problèmes après. De deux, ça me dérange pas. Hein. Bon, au pire, les deux peuvent se soigner. Je pense que là, la meilleure des choses, ce serait de justement faire soigner notre cher Eoden. Allez, voilà. Meurs s'il te plaît. Ce sera déjà mieux. On s'est quand même bien soigné, mine de rien. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on fait ces combats. Et après, on sauvegardera pour cet épisode-ci. Je pense que ce sera déjà pas trop mal. Je sais pas combien de combats on va avoir, hein, mais... Ouais, il a l'air d'en avoir pas mal. Non. C'est vrai qu'elle résiste plutôt bien. J'aurais pu. Je le fais pas. On verra comment ça se passe. Non, mais je peux peut-être faire don de... Ah. Ah d'accord, ouais. Parce que là j'étais en train de me poser la question. Oui, c'est certes, il s'enlève des points de vie, mais je voyais pas de points de vie redonnés. Donc c'est pour ça que je m'inquiétais. Ah oui, en fait, il peut être super sympa lui. Sur le même. Après, on virait Eoden, on va prendre une autre personne à la place. Ah merde. Parfait, il a esquivé. Bon, là, on va essayer de prendre Berethor du coup. Plutôt lui demander que l'un des guerriers nous focus. J'espère que maintenant, voilà, c'est Eoden, donc c'est parfait. Et les ghosts, et je veux que tu fasses un tir drainant sur celui-ci, et j'espère que tu vas réussir. Normalement ça devrait faire l'affaire. Parfait, il a toute sa vie. En fait, c'est ce que je souhaitais, tout simplement. On va faire Résistance groupe. C'est net meneur, hein, de toute manière. Moi, je pense que le meneur, c'est pas trop mal. Après, c'est sûr que les attaques d'épée sont très fortes aussi. Hein. Donc, pour le coup, je pense qu'on va devoir aussi farmer un peu l'épée. Morwen, à toi de jouer. Fais-moi une plaie empoisonnée ici, s'il te plaît. Très bien. Peut-être une contre-attaque. Non. Allez, une petite furie sur celui-ci. Normalement, il devrait mourir. Parfait. Ça peut être embêtant. On va plutôt prendre Eoden. On va essayer de faire un petit don de santé. Ah, en fait, on a vraiment une équipe qui peut bien soigner. C'est ça qui est cool. Ah,
Terrain de santé. Vous voyez, c'est complètement craqué là en fait, je trouve. Bon, encore combat comme ça. Durement, on se fait un peu de... Un peu de farm et un peu de... d'objets. Je l'affronterai pour le sort du Gondor. Oh my fucking god. Il y a un problème quelque part là. On va augmenter l'armure à tout le monde. Hein. On va se mettre des buffs à tout le monde aussi. On va leur casser la gueule. Parfait. Pas parfait. Faramir. Mouais. Bon, essayer ça, ça va être cool, je pense. Et l'heure. Et le deux. Et le 3. 666. Oh là là. Merde. On est dans la merde là. On est foutu. Hard hole. Par contre, j'ai un petit problème avec Atwood. C'est que. Voilà. Il va pas pouvoir faire grand chose, le pauvre. On va faire une petite attaque. C'est déjà pas mal. En fait, il faudrait qu'il tombe au sol, que je le réanime ensuite. Pour être vraiment plus efficace. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quand même prendre Morwen. Et tenter. Petite plaie empoisonnée sur le chef. Parfait. Ça va faire mal là, je pense. Parfait, c'est cool ça. Ça pourrait être encore pire, hein. On pourrait utiliser carrément le bouclier pour le groupe et ce serait abusé. Waouh, un coup critique à 55. Wow, trop fort. Ah ah, oh, ça doit pas être cool ça, par contre. Ah oui, non mais ça va, 10 PV, qu'on se le dise, c'est beaucoup. Hein, c'est vraiment énorme. Pas du tout. Ça nous fait rien du tout, quoi. On va essayer de shooter ces deux. Bon, je pense que c'est le dernier combat, du coup. Pas le combat final, mais le dernier combat de cette cinématique. Je l'espère, du moins. Bon, le chef, il a rien subi. Par contre, celui-ci, je voudrais le tuer. Ça le tue. Parfait. Ouais bah tu peux y aller hein. Là vous êtes vraiment dans la merde en fait. Hein. Qu'on se dise. Ouais bon tant pis. On va prendre... Ouais Eoden. Allez c'est parti. T'es en train de réfléchir. Allez, un petit drain de santé. J'espère que tu vas mourir. Voilà, parfait. Déjà deux de moins. Bon, ça focus Idrial. Hein. Mais malheureusement, on a... Oula. Je sais pas c'est quoi ça. Ah, on perd des points de vie. D'accord.
prenons Beretor. Art d'épée, on va essayer de faire. Ouais. Flot des orques. Oh non, grotte. Bon, bah on va recommencer ça, c'est pas grave. Il y en a que deux par contre, c'est ça qui est un peu embêtant, mais. On testera après les autres. Si on a le temps. Ça va te faire mal à toi? Ah ouais, quand même. Ça va. C'est correct. Ah, ils veulent focus, hein. Mais tu lui fais rien. Ah, une petite frappe brisante, s'il te plaît. Parfait. Ah là là, voilà, c'est parfait, cette attaque. Ah, c'est cool. Allez, maintenant, c'est parti. On va le tuer. C'est pas grave si on a le mal, hein. Le problème c'est qu'il a oublié qu'on peut lui aussi lui faire mal. Alors, je veux tester cette attaque. 3 bien. Peut contre-attaquer pour un... ouais. Tire de flèche par des archers. Bon, vas-y, on va voir. Hein. D'accord. Donc, on aurait pu faire ça. Ça aurait attaqué tout le monde. Au moins, on peut regarder au fur et à mesure. On va se soigner, hein. De toute manière, on va faire que ça. Ouais, tu vas nous le mettre tout le temps, ton mal... On verra bien. Est-ce que ça fait plus de dégâts ça ou l'autre? D'accord. Bon, on fera que l'autre, c'est tout. Il veut nous faire mal, hein. Du moins, il essaye. Oh, pas gentil ça. Là j'en ai deux qui font extrêmement mal. C'est Beretor et Idrial. Eux ils font mal. On va remettre un petit buff d'armure. Parce que je pense qu'on a dû le... Nous l'enlever malheureusement. On va faire un petit bon PV pour Idrial. Full life ou pas? D'accord. Moi je te remercierai pas, hein, petit con. C'est pas aussi efficace que tout à l'heure. Bien sûr, on va le ressusciter, hein. On n'est pas des crétins. Parfait. Après on va lui revoler sa vie, c'est pas grave, hein. On va faire comme ça. Bonne hein. Santé, allez tiens. Donne-moi ta vie. Pas encore fini. Oh oh, ça je pense que ça va faire mal par contre. Ah, il subit de moins en moins de dégâts. Oula. Je m'en doutais. Bon bah c'est pas grave, on va le soigner aussi, hein. Ça va mieux, Beretor. Tu vas pouvoir le défoncer, tu vas pouvoir te venger. Une petite colère sur ses dents. Là si elle touche normalement il devrait être mort. Ah, surtout s'il y a des coups critiques. Alors là... Ah bon?
Ah mais il pique lui. Ouais non là il y a un problème. Il faut forcément qu'on le soigne. J'ai pas envie de prendre de risques qu'il perde de l'XP ou autre. Normalement ça devrait être bon. Est-ce que ça suffira si je fais du coup drain de santé? Ouais, ça suffit. Parfait. Il s'est barré le salaud. Il y a un level up. Bon, je pense que tout le monde... Non? Oh, dommage. D'accord, en fait, il y en a deux qui n'ont pas pris de niveau. Bon, à part Eoden, c'est un peu logique. Il est quand même plus haut en matière de niveau, donc c'est normal. On va consulter quand même le compte. Mon ami, il est temps que vous appreniez un terrible secret sur vous. Vous vous êtes battu aux côtés de Boromir lors de sa dernière victoire. Et il est vrai que certains se sont enfuis dans le déshonneur. Ils ont traversé les champs de Pelennor pour se réfugier à Minas Tirith et endurer la colère de Denethor. Vous étiez l'un de ces hommes. Et il vous a banni. Vous voilà de retour. Aurez-vous le courage d'affronter la vérité? Eh ben, nous verrons bien. Il faut quand même affronter la vérité. Eh ben, les amis, on va... Oh, tiens, il y a un coffre. Parfait. Bon, bah, encore un compte. Lors de sa première attaque, Sauron a testé Los Gilliath et la volonté de riposte du Gondor. Lors de sa seconde attaque, il a placé des catapultes dans les ruines à l'est. Il a envoyé des patrouilles de l'autre côté de la rivière dans le but de tester Faramir, chargé de la défense à la suite de Boromir. À présent, Sauron attaque en force, faisant traverser ses forces sur des radeaux construits en secret. Les forces de Faramir seront submergées. Le Gondor est trop faible pour maintenir ses défenses. Voilà où la folie de Denethor l'a mené. Donc ouais, c'est normal que, justement, il s'est échappé. Bon les amis, on ira chercher ces coffres-là après parce que j'ai peur qu'il y ait un combat. Donc, j'espère que l'épisode vous aura plu. Là, on a quand même moins galéré que l'épisode précédent, hein, ce qui est vraiment bien. C'est vraiment sympa. Donc on se retrouvera sur le Seigneur des Anneaux, le tirage, pour un prochain épisode et on verra qu'est-ce qui se passera malgré cette trahison. Je vous dis donc à très bientôt et salut à tous les amis!